Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier épisode de Nature et Zoo, le podcast. Salut Florian. Salut Victor, Comment tu vas? ça va et toi? Ben ça va très bien. Je suis très très content de commencer cette aventure du podcast. Oui, moi aussi, enfin, ça y est, on commence pour de bon cette fois. Après des mois De de préparation. préparation. Ouais, le moment est enfin arrivé. Ça y est. Ben aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'actualité des zoos en France, déjà, principalement, sur le mois de décembre 2022. Donc déjà, mes meilleurs vœux à tous nos auditeurs, hein. Bonne année à tout le monde. Voilà, que celle-ci vous apporte de nombreuses visites en parc zoologique, des découvertes de toutes sortes d'animaux. Alors, le déroulé de l'épisode, c'est pas compliqué, hein. On va déjà faire un petit point sur les travaux qui sont en cours dans les zoos en France. On a deux petites choses à vous dévoiler. Ensuite, on va faire un petit tour des actualités en France. Donc, nous, on se base principalement sur les articles qui sont sortis sur notre site. Et après, on ira faire un petit tour sur l'actualité européenne, où il y a quand même quelques trucs à dire, quelques trucs intéressants. C'est parti, hein. C'est parti, on y va. On va commencer par les travaux. Donc les travaux en ce moment, on a la volière sud-américaine du zoo de Beauval, donc la future nouveauté 2023 du parc. Une grande volière, hein, on va rapidement passer les détails, mais elle fait plus d'un hectare et demi. Il y aura des centaines d'oiseaux à l'intérieur, donc normalement c'est pour l'instant la plus grosse nouveauté l'année prochaine. Cette année, du coup, maintenant, parce qu'on est en 2023. Oui. Et en même temps, le chantier de l'hôtel, le nouvel hôtel qui s'appellera Les Rivages de Beauval, qui est situé dans le cœur de Saint-Aignan-sur-Cher, à la place de l'ancien hôpital de la ville. On a eu les dates, donc le 1er janvier a été l'occasion pour le zoo de dévoiler les dates d'ouverture de ces deux nouveautés. Pour l'hôtel, c'est fixé pour l'instant, même s'il se trompe rarement quand même à Beauval, hein. Ouais, en général. C'est fixé au 1er avril pour l'hôtel. 1er avril 2023. Donc je crois qu'on a déjà accès aux réservations, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Et pour la volière, ce sera, et là, ça n'avait pas encore été dit, ce sera pour le 8 avril prochain. Ce qui fait dans 4 mois. Dans 4 mois, on pourra découvrir cette grande volière, même si. Pour ceux qui l'ont visité récemment ou au cours de l'année, on arrive quand même à avoir un aperçu au fur et à mesure de la construction Ouais. de ce que ça va donner. Actuellement, pourquoi on voulait en parler? Parce que depuis quelques jours, je pense pas que ce soit terminé, mais depuis quelques jours, ils sont en train de poser les filets sur la volière. Donc ça fait quand même une grosse structure. Ce qui veut dire que normalement, il reste plus grand-chose à préparer. Il y a déjà eu beaucoup de plantations de fêtes. Donc, moi personnellement, j'ai hâte de voir ça. Je pense que tout le monde a hâte, ouais. Ça a l'air Ouais. assez, elle est assez impressionnante cette volière quand on Ouais, la c'est voit. clair. Ouais. Et on a quelques espèces. Alors, il y en aura plusieurs, hein. Il y aura, à mon avis, plusieurs dizaines, surtout au niveau des oiseaux. Mais il y a quelques espèces qui ont été annoncées. Plus ou moins officiellement, mais on sait déjà que les flamants des Caraïbes qui sont à l'entrée du parc seront transférés dans cette volière. Donc, c'est une bonne nouvelle qui permettra aux flamants de voler aussi, normalement, vu la dimension de la volière. On aura des espèces d'ibis. Je suis pas aux ibis rouges, mais probablement d'autres espèces d'ibis sud-américaines. On aura des pélicans, c'est pareil, on n'a pas l'espèce précise, mais. Très franchement, ça ne saurait tarder. On annonce aussi des singes hurleurs, lesquels je ne sais pas, mais c'est intéressant parce que ça reste quand même des primates qu'on voit peu souvent. C'est vrai. Des pécaris, là encore, Pas pas d'infos. d'espèce officielle. Et des poudous, les poudous des Andes, donc c'est les petites antilopes sud-américaines. Et pour le reste, à mon avis, dans les semaines où les. Peut-être pas les mois, mais dans les semaines à venir, on en saura un petit peu plus. Ouais, sûrement. Voilà pour la volière de Beauval. Je te laisse maintenant pour la suite.
Alors on peut parler aussi un petit peu du bioparc des Douai-la-Fontaine qui a réalisé plein de petits travaux de réaménagement un peu partout dans le parc durant la fin de l'année. Déjà au niveau de la vallée des rhinocéros, tout le long du chemin qui borde l'enclos, ils ont placé des enrochements et ils ont planté pas mal de végétaux. Au niveau de la volière européenne, ils ont complètement vidé le bassin pour le réaménager entièrement. Ils ont aussi, au niveau de l'enclos des panthères du Sri Lanka, ils ont rénové les points de vision, donc en mettant des nouveaux encadrements tout neufs. Ouais, et puis là, en plus, ça a commencé à vieillir un petit peu. C'est une partie du parc ouais, qui vieillit un petit peu. Ils ont réalisé un petit peu quelques travaux de maçonnerie, notamment dans le camp des girafes et la volière sud-américaine. Et ils ont installé des nouveaux garde-corps en bois au niveau du snack des loutres. Voilà. Voilà, donc plein de petits réaménagements qui permettent de rajeunir un petit peu certaines zones du parc. Chose qu'ils avaient déjà fait l'an passé, parce Oui. que. En fait, en 2022, parce que il y avait eu les grosses nouveautés l'année d'avant. Enfin, 2020-2021, on a eu des grosses nouveautés avec le cratère des carnivores et la volière africaine. Mais en fait, c'est tout bête, mais c'est des petits trucs qui sont importants déjà pour le confort de visite et pour les animaux aussi. Peut-être qu'on aura une annonce cette année sur des futures nouveautés, mais bon. Peut-être, effectivement. On verra bien. On va passer dès maintenant aux actualités, hein. On va voir ce qui s'est passé ce mois-ci en France. Je te laisse démarrer, du coup. Ah oui, donc du coup, on va commencer par les petites actualités en bref du mois de décembre. Donc pour commencer, on va partir vers Biotropica, donc en Normandie. Qui a vu naître le 12 octobre 2022 deux petites viscages des plaines. Donc c'est un mâle et une femelle. Alors bien sûr, ils n'ont pas été visibles directement par les visiteurs, ils ont été placés en coulisses pendant quelques semaines. Et maintenant, ils sont désormais visibles avec leurs parents au sein de la Pampa des Tamanoirs, qui est la nouveauté 2022 du parc. J'ai vu une photo aujourd'hui en plus. Moi aussi. Ils sont très mignons. Ouais, c'est très très mignon. Et du Ouais. coup, c'est la première fois en France qu'on obtient une naissance de cette espèce, puisqu'actuellement, Biotropica est le seul parc français à héberger des viscages des plaines. Et au Ils sont là total, depuis, ça va faire un an qu'ils sont là, déjà. à peu près, ouais. Ouais. Et dans l'Europe, on n'a que 5 parcs qui en présentent, donc ça reste assez rare. Ouais. Et du coup, la viscage des plaines, c'est un petit mammifère. Qu'on va retrouver en Amérique du Sud, qui fait partie de la famille des chinchillas. Tout à fait. Oui, c'est ça l'inconvénient du podcast, c'est qu'on ne peut pas vous mettre de photos, mais on peut vous expliquer ou faire un petit résumé ou au moins une présentation de l'animal pour Pour vous donner donner, une ouais, idée. voilà. Mais ce mois-ci, on a eu aussi des annonces de naissance, vous avez quasiment que des naissances, au parc de l'Auxois et au zoo du bassin d'Arcachon. Il y a eu pour chacun de ces deux parcs une naissance de d'Oslo. Alors l'Oslo c'est un petit félin qui se rencontre en Amérique du Sud. Il n'est pas très connu du grand public. Il est plutôt de taille moyenne. On peut le confondre souvent avec c'est le Marguet. Le marguet, ouais. Ouais. Ça se ressemble pas mal. Ça se ressemble beaucoup. Bon, c'est une petite panthère hein, dans l'idée. Ouais, c'est ça. Et il y a eu un petit dans chacun de ces parcs. Pour le parc de l'Auxois, c'était le 1er octobre et le zoo du bassin d'Arcachon, c'était le 20 novembre. C'est pas la première fois que ces deux parcs ils ont des petits oslos. Pour le parc de l'Auxois, il y en a un qui est né l'année dernière, en 2021. Puis il est parti. Bah non, c'est pas l'année dernière, du coup, c'est en 2021, c'est il y a bientôt 2 ans. Et il est parti au printemps 2022 vers un autre parc zoologique. Et au zoo du bassin d'Arcachon, il y a eu un autre petit aussi qui est né en 2021 également. Voilà. Alors pour continuer encore avec les naissances, au zoo de Pêcheraie, on a eu une petite taïra qui est née. Donc la taïra, c'est on l'appelle aussi la martre à tête grise. Donc c'est un petit mammifère carnivore de la famille des loutres, des furets, des belettes, etc. Donc les mustélidés qu'on va retrouver en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Alors c'est une espèce qui est peu commune en parc animalier. Seulement 3 zoos en France en possèdent et Pêcheraie c'est le seul qui arrive à obtenir de la naissance sur cette espèce. Donc c'est son deuxième petit.
On avait déjà eu un premier petit Taira qui était né en août 2021. Voilà, donc Ouais. c'est plutôt, plutôt pas mal. Bah, c'est une bonne nouvelle, puis ça peut peut-être lancer, aider les autres parcs à se lancer dans la reproduction. Aussi. Et on en verra peut-être plus dans les années à venir, hein. Mais alors les zoos, c'est bien sûr des naissances, mais c'est aussi c'est des êtres vivants. Il y a aussi des décès, Eh comme oui. au Zoo African Safari près de Toulouse. Ce mois-ci, au mois de décembre, le zoo a annoncé le décès de son mâle rhinocéros blanc qui s'appelait Buldo. Et Buldo avait 36 ans, plutôt un âge correct pour un rhinocéros blanc. Buldo, il a vécu 32 ans au Zoo African Safari et ça faisait plus de 20 ans qu'il partageait sa vie avec une femelle de son espèce qui s'appelle toujours Margot. Aujourd'hui, elle est toute seule. Alors le parc a indiqué que, a priori, elle semblait pas trop affectée par le départ de son colocataire, mais elle reste quand même sous la surveillance des soigneurs et des équipes du parc. Buldo, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors a priori, il a été placé rapidement sous traitement et sous une surveillance renforcée parce qu'il commençait à avoir des signes de faiblesse. Bon, on suppose qu'avec l'âge qu'il avait C'est aussi, l'âge, oui, ouais. ça risque d'être, ça risquait d'être compliqué. Et malgré tous les soins que les équipes ont entrepris, son état de santé a continué de se dégrader. Et il est mort dans la nuit du 26 au 27 novembre. Mais dans le cadre d'un partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, le corps et la dépouille du Buldo a été récupéré par le muséum, pris en charge pour être naturalisé. Je sais que c'est pas toujours bien vu. On avait reçu des messages là-dessus. Ouais. Maintenant, ça reste quand même de la science. Personnellement, je trouve ça important, même Moi, je si suis pas contre en tout cas. non, je suis pas contre non Si plus, ça mais peut aider. je peux comprendre que ça puisse pas choquer, mais un petit peu déranger. Oui, c'est normal. C'est Oui. normal, mais si ça peut aider, ça peut faire avancer la science, pourquoi pas. Et ça laisse une trace en quelque sorte de l'animal Oui, aussi, hein. aussi, ouais, aussi. Voilà. Alors ensuite, alors une petite actu qui concerne un petit peu moins les animaux, mais on a appris que depuis le 14 novembre dernier, un nouveau directeur zootechnique a été recruté à Parrot World. Donc c'est Frank Aylewin. Alors je m'excuse si j'écorche son nom, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais Je l'aurais dit comme ça aussi. ouais. Frank Aylewin, il va être vétérinaire à Parrot World, donc il va assurer la sécurité, le bien-être un petit peu de tous les animaux du parc. Il va aussi avoir pour rôle d'encadrer l'équipe de soigneurs animaliers du parc. Et il va intervenir dans tout ce qui est conception, le suivi des travaux du parc, etc. Tout ce qui est vraiment le développement du parc en lui-même. Et il va être aussi chargé de gérer la collection animale de Parrot World. Il a un gros CV en plus. Oui, un gros CV, donc il est diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon. Et il a exercé dans plusieurs zoos, enfin il a une belle carrière quoi, il a dirigé le zoo de Oui. Lille de 1991 à 2006. Il a aussi assuré pendant deux petites années le développement de Beauval, donc en gérant notamment l'arrivée des fameux pandas géants en 2012. Et un petit peu plus récemment, il a aussi assuré la même fonction de directeur zootechnique au Rénou jusqu'en 2021. Ouais. Voilà, et en plus de ce parcours assez remarquable, il est aussi membre de plusieurs associations. Donc il est le membre fondateur de l'Association française des vétérinaires de parcs zoologiques. Il fait aussi partie de l'Association européenne des vétérinaires de zoos et de faune sauvage. Et il est également membre du comité d'assistance technique de l'EASA. Voilà, donc n'a pas affaire à C'est pas n'importe qui. n'importe qui, ouais, Voilà. c'est ça. Et tant mieux pour Parrot World qui va avoir C'est. qu'a seulement 2 ans et demi d'existence Voilà, c'est plutôt une et bonne qui recrue. continue de se développer et qui va nous présenter des nouvelles espèces l'année prochaine, normalement. Voilà. Enfin, cette saison. J'ai un peu de mal, hein. On enregistre là tout début janvier, j'ai encore un peu de mal, hein. Eh oui, ça y est, on est en Je 2023 là. me crois encore en 2022. Et il a indiqué aussi dans un communiqué de presse du parc que il était heureux et fier
de pouvoir faire partie de l'aventure. Hein. Forcément. Je pense qu'il va apporter beaucoup de bien au parc. Oui, il y a des chances, ouais. Bah, son expérience, déjà. Ouais, voilà. Bah, on va pas très loin d'ici, de Parrot World. On va au parc zoologique de Paris, donc en plein centre de Paris, qui a accueilli le 14 octobre un mâle grand appât lémur. Donc le grand appât lémur, c'est un lémurien qu'on retrouve pas beaucoup en parc zoologique. Il y en a que dans 3 zoos en France. Et ce mâle grand appât lémur, il a que 2 ans et demi. Et normalement, il est là à Paris pour déjà dans le cadre de l'EEP, le programme européen pour les espèces menacées, qui est dédié au grand appât lémur. Et il est là pour devenir un mâle reproducteur et intégrer le groupe des femelles du parc. Ça reste quand même une espèce qui fait partie des plus menacées du monde. En parc zoologique dans le monde, la population, elle est estimée à une 30aine d'individus. C'est quand même pas beaucoup. C'est très peu. Ces 30 individus sont répartis dans 7 parcs, tous en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y en a nulle part ailleurs. Il y en a évidemment à Madagascar, dans le pays d'origine. Oui. Mais en parc zoologique, pour l'instant, il n'y a qu'en Europe où il y a un foyer de population en captivité et qui se reproduit plus ou moins correctement. Dans la nature, on compte seulement 1500 grands appâts lémures. Et une espèce est classée en danger critique d'extinction par l'UICN. Alors ensuite, on va continuer direction le zoo de Beauval, qui a, en cette fin d'année 2022, fait un don assez exceptionnel à son association Beauval Nature, donc un don de 100 000 euros. Donc je crois que c'est la première fois qu'ils font un don aussi conséquent. Je pense que c'est vraiment un gros, gros don. Là. Ouais. Et du coup, la grande majorité de ces fonds vont être reversés pour participer au sauvetage d'un oiseau classé en danger critique d'extinction par l'UICN. Donc, il s'agit du monarque de Fatu Iwa, qu'on retrouve en Polynésie française. Donc, c'est une espèce qui est clairement au bord de l'extinction. Il resterait moins de 20 individus dans la nature, donc avec seulement 4 couples reproducteurs. Et donc, elle est menacée... comme beaucoup d'espèces, par la destruction de son habitat, mais surtout par la prédation d'animaux introduits sur l'île, notamment les rats, les chats, etc. Et elle est aussi victime d'une maladie qui s'appelle la malaria aviaire, qui est transmise par les moustiques. Et donc du coup, ce don, en fait, c'est en quelque sorte... ça rend un petit peu hommage à la fondatrice du parc, Françoise Delors, qui nous a malheureusement quittés il y a un peu plus d'un an maintenant. On connaît tous la passion qu'elle avait pour les oiseaux, donc ça permet de lui rendre un petit hommage. Ouais. Et du coup, ces fonds, ils vont être versés ils ont été versés déjà à la LPO, donc la Ligue de Protection des Oiseaux, qui agit aussi en Outre-mer. Et ça va permettre... On est bien en France. Hein. Voilà. Et ça va permettre du coup de financer, financer la construction d'installations pour élever des oiseaux. Ça va permettre de former des acteurs qui vont agir sur le terrain pour sauvegarder l'espèce. Voilà, et ça va permettre aussi de mettre en place des plans d'action pour protéger cet oiseau des prédateurs qui sont introduits sur l'île. Ouais. Sur les 100 000 euros que le parc a donné à Beauval Nature, il y a 80 000 euros qui sont dédiés au monarque de Fatu Iwa. D'accord. On fait 80%, quoi. Les 20 000 euros restants, bah, iront à d'autres associations. Il n'y a pas de précision, mais... Ouais. Ça servira quand même à la conservation. Oui. Et il s'est passé autre chose à Beauval, il n'y a pas longtemps. Donc on a aussi appris dans le courant du mois de décembre l'arrivée d'un groupe d'hippocampes, donc des hippocampes à queue tigrée, pour être précis. Ouais. Donc c'est une espèce qui est classée vulnérable, donc qui est considérée comme menacée du coup. Donc c'est assez intéressant de pouvoir que le parc accueille cette espèce. Et donc c'est un groupe de 10 hippocampes, qui a intégré un aquarium au sein de la serre australienne, donc où des méduses avaient récemment aussi été installées un petit peu avant. Bah, ils ont refait une bonne partie de la serre. Hein. Ouais. Bon, ils ont gardé les koalas, tout ça mais la partie aquarium a été refaite. Voilà, la partie aquarium a été pas mal refaite. Et du coup, ce groupe, il est constitué de 5 mâles et 5 femelles, donc ils sont tous en âge de se reproduire. Donc on espère que le parc va arriver à former des couples et à obtenir des naissances, ce qui permettrait de participer à la conservation de ce beau poisson. Ouais.
Avec les méduses en plus. Bah du coup, oui, ça complète un peu la zone. Ouais, c'est pas mal. Alors, ils Hein. avaient Ouais. déjà eu des hippocampes par le passé, il me semble, mais... Oui, mais pas cette espèce-là. Non, pas cette espèce. Et ils viennent du Tiergarten Schönbrunn. Peut-être que je le dis mal, je ne sais Ouais. pas. Ça reste un parc assez réputé qui se situe en Autriche. Ils sont tous nés Exactement. là-bas en début d'année 2022. On va passer maintenant à Legendia Park. Alors, Legendia Park se situe en Loire-Atlantique et il a accueilli deux espèces ce mois-ci. La première était déjà là, hein. C'est les renards polaires. Il y a eu deux femelles renards polaires qui sont arrivées. D'ailleurs, le parc a fait participer ses abonnés Facebook pour leur donner un nom. Elles sont jeunes, je crois qu'elles ont 7 mois, je crois. Mais sinon, ils ont accueilli une deuxième espèce, pour le coup, qui avait pas. Alors, on avait eu l'info au printemps, au moment de la réouverture du parc l'année dernière. Ils avaient évoqué brièvement l'éventualité de voir arriver des loups à crinière. Et bien, maintenant, c'est chose faite parce que il y a quelques semaines, il y a deux femelles qui sont arrivées du Parco Natura Viva, qui est situé en Italie. Et ces deux louves à crinière, elles sont mère et fille. Elles s'appellent Théa et Mirzam. Et elles arrivent dans le cadre de l'EEP dédié aux loups à crinière. Le loup à crinière, c'est pas encore une espèce menacée, hein. Mais il reste quand même quasi menacé sur la liste rouge de l'UICN. Les principales menaces, c'est la destruction de son habitat, comme les trois quarts des espèces sud-américaines. Il est aussi sujet aux collisions routières, malheureusement, comme aussi beaucoup d'autres espèces sud-américaines. Oui. Et il subit aussi la transmission des maladies par les chiens domestiques. Voilà. Alors ensuite, on va parler d'un petit transfert maintenant. Donc c'est entre le zoo de Martinique et Biotropica. Donc en fait, c'est le jeune mâle Malem, qui est un jeune mâle paresseux né à Biotropica en juin 2021, qui a rejoint le zoo de Martinique, donc le 6 décembre. Et donc là-bas, il a été, bon, il a d'abord été placé en quarantaine, bien évidemment, et ensuite il a rejoint une volière immersive. Alors je suppose avec d'autres espèces en Je crois cohabitation. qu'il y a d'autres espèces, ouais, d'oiseaux Voilà, notamment. sûrement des oiseaux. Et donc il s'agit d'un paresseux à deux doigts, qui est l'espèce la plus commune, qu'on voit le plus souvent dans les parcs, donc qui est originaire d'Amérique centrale et du Sud. Alors c'est une espèce qui n'est pas considérée comme menacée, mais qui va quand même être victime de la déforestation et du braconnage et des collisions routières, voilà, Ouais, comme tu l'as c'est dit, Amérique du Sud, ouais. c'est ça. Donc on espère que, je pense, alors il n'y a pas eu d'infos comme quoi il y aurait peut-être une femelle qui allait le rejoindre, je sais pas. Bah, je suppose, hein, parce Je pense, ouais. que ce serait intéressant. C'est le premier paresseux qui est accueilli par la zone Martinique. Donc je Ouais. suppose que c'est dans le but d'accueillir une femelle et de faire de la reproduction. On va revenir de l'outre-mer. Après une petite escapade. Et on va aller à la réserve zoologique de Calviac, qui a accueilli récemment un nouveau couple de fossas. Alors, nouveau couple. Ça veut pas dire qu'ils n'avaient plus de fossas. Ils ont toujours les deux plus âgés, donc c'est un autre couple. Il y a Monsieur Fossa et Lanto. Ils sont respectivement âgés de 20 et 18 ans. Je crois que c'est quand même un âge assez avancé. Ils ont déjà eu plusieurs petits à Calviac, dont les derniers il y a quelques années là. Et ces deux-là, en fait, ils vont juste être déplacés dans une nouvelle installation. Ils seront toujours visibles des visiteurs. Mais ils seront remplacés dans la première installation par un nouveau couple. Alors j'ai beau chercher, j'ai passé du temps à chercher, hein. Je sais pas d'où ils viennent. Le parc a simplement indiqué que c'était dans le cadre du programme d'élevage européen. Ouais. Mais j'arrive pas à savoir d'où ils viennent. Si je me suis pas trompé, le mâle il vient d'Angleterre. La D'accord. femelle, je sais pas, mais bon voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas la certitude. Mais sinon, voilà, bon, c'est une bonne nouvelle parce que ça va peut-être relancer la reproduction des fossas à Calviac, tout en sachant en plus que, à part Calviac, des fossas, on n'en voit que au parc zoologique de Paris, en France en tout cas. C'est une espèce qui semble quand même bien se reproduire
ailleurs en Europe, ceci. J'ai quand même vu quelques naissances ces dernières années. Et le fossa, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros mammifère carnivore de Madagascar. Donc en fait, c'est le principal prédateur Prédateur. des lémuriens. Ouais, voilà. Et comme la quasi-totalité de la faune de Madagascar, le fossa est menacé. Il est classé vulnérable par l'UICN. Sa population, elle se retrouve chassée et menacée par la déforestation aussi, intensive, surtout à Madagascar. Et elle entre en compétition pour la nourriture avec des espèces introduites sur l'île. Et le fossa, du coup, à première vue, on pourrait penser que c'est un félin. C'est vrai qu'il a l'apparence Ouais. vraiment d'un félin, mais c'est pas un félin. Il fait partie d'une famille qu'on appelle les Euplérides. Donc en fait, c'est des carnivores endémiques de Madagascar. C'est pas un félin, même si on pourrait le penser à première vue, quoi. Ouais. Alors ensuite, on va partir direction la vallée des singes, qui a enregistré au mois de décembre une nouvelle naissance chez les bonobos. Alors c'est assez exceptionnel puisque c'est la quatrième naissance en 2022 que le parc a enregistré. Donc il y Ouais. avait déjà eu un petit mâle en avril et deux femelles ensuite, donc une en mai, une en juin, qui se sont suivies. Alors le dernier né, on ne connaît pas encore son sexe, me semble. Non, pas encore. Pas encore, Bon, il n'a ils pas encore été l'annonceront annoncé. probablement. Ouais. Voilà. Donc il faut savoir que la Vallée des Singes aujourd'hui c'est le seul parc en France qui héberge des bonobos. Et donc, 4 naissances en une année, c'est bah, forcément une excellente nouvelle, surtout que l'espèce est classée en danger d'extinction. Voilà, donc, elle est inscrite en EEP, comme toutes les espèces menacées. Et donc, chaque naissance est très très importante pour la conservation de ce primate. Ouais. 4 bébés, je sais pas si ça s'est déjà vu dans un groupe de grands singes en même temps. Ouais, c'est exceptionnel. Ça, oui, ça va faire quand même une petite garderie. Ça Ouais. doit être rigolo à voir. Ouais. Et on va partir maintenant à l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. On va rester dans le cadre des primates. Et encore une naissance. Cette fois, c'est une naissance de mangabey couronné. Dans le mangabey couronné. C'est un primate originaire d'Afrique de l'Ouest. Saint-Martin-la-Plaine fait partie des deux seuls parcs en France à présenter des mangabeys couronnés avec la ménagerie du Jardin des Plantes. Et ils ont eu une naissance à la mi-décembre. C'est pas la première fois qu'il y a des naissances de mangabeys couronnés à Saint-Martin-la-Plaine, mais étant donné que l'espèce elle est classée en danger d'extinction, c'est important de le signaler. Et en plus, le parc a indiqué que c'était possible que dans les semaines, les jours à venir, c'est peut-être même déjà le cas, on ne sait pas, qu'il y ait une seconde naissance dans le groupe de reproducteurs. C'est un groupe qui a déjà eu d'autres petits, hein, comme j'ai dit. Il Ouais. y en a eu en 2020, en 2021, les années d'avant. Donc c'est super sympa. Puis en plus, on va pas se mentir, c'est très mignon. Oui. Tout bébé, c'est toujours mignon de toute façon. Oui, un bébé Ouais, c'est primate en vrai plus, que. on a tendance à s'attacher plus facilement. Aussi, ouais. Alors ben, on a terminé avec les actus en bref. Les petites actualités, ouais. Voilà, donc maintenant on va passer du coup aux principales actualités qui ont marqué le mois de décembre. Donc à commencer par l'accueil de 4 primates aux terres de Nataé. Alors, pour raconter un petit peu cette histoire, donc ces 4 macaques crabiers qui ont été recueillis par le parc breton, donc ils étaient auparavant utilisés dans l'expérimentation animale, ils étaient en laboratoire. Et donc c'est l'association Le Graal. Donc on en parlera plus en détail tout à l'heure, qui est à l'origine de cette démarche. Donc en fait, elle a lancé en octobre un appel destiné surtout à l'attention des parcs animaliers français. Et donc les terres de Nataé s'est portée volontaire pour accueillir ces primates. Donc il s'agit d'un groupe de 4 mâles de l'espèce du macaque crabier. Donc les 4 individus ont été d'abord placés en quarantaine, bien évidemment. Donc ils sont dans des loges en fait communicantes, ce qui leur permet d'interagir ensemble et du coup ils s'adaptent tranquillement à leur nouvelle vie. Et donc ce primate, le macaque crabier, il est classé en danger d'extinction, donc c'est une espèce qui est quand même assez menacée. Donc du coup cet accueil il s'inscrit aussi un petit peu dans la raison d'être des terres de Nataé, qui on le sait est très engagée
dans l'accueil d'espèces menacées et la reproduction de ces espèces. Ouais. Alors l'accueil de ces quatre mâles, il se fait pas n'importe comment, c'est pas quelque chose d'impromptu comme ça. En fait, dans l'idée, la direction des terres de Nataï, on prévoit la construction d'une, un peu à l'image de la tanière à côté de Chartres, la tanière zoo refuge. Une structure pour recueillir les animaux. Ben, ça va être des animaux de laboratoire, ça va être des animaux de cirque, parce qu'il risque d'y en avoir besoin dans les prochaines années. Trouver de la place pour ces animaux-là. Et donc, les quatre macaques, ils arrivent dans ce cadre-là. Le parc a déjà accueilli il y a quelques semaines maintenant deux tigresses. Alors, elles sont issues du monde du cirque. Elles sont arrivées en octobre, ouais, c'est ça. En octobre dernier, il y a deux tigresses qui sont arrivées. Il y a une tigresse blanche et une tigresse dorée. Alors, je vous laisserai chercher pour la tigresse dorée, mais en tout cas, c'est deux mutations génétiques du tigre qui naturellement n'existent pas, n'existeraient pas. Et c'est deux colorations qui font partie des dérives de la captivité. Hein. Et donc, avec cette arrivée des deux tigresses et celle des quatre macaques, mais en fait, ça annonce quand même le futur des terres de Nataï. Je crois qu'il y a déjà une fondation qui a été créée pour les dons, etc. Et dans l'idée, ce serait de construire un refuge qui sera pas ouvert au public. Donc pour tous ces animaux dont je parlais, les animaux de cirque, de laboratoire ou issus de trafic aussi, parce que les zoos sont vachement impliqués là-dedans. On le dit pas assez souvent, mais ouais, les zoos sont vachement impliqués dans les recueils d'animaux issus du trafic d'animaux sauvages. C'est prévu pour 2024 pour l'instant. Mais avant ça, bah forcément, le parc y prévoit de reloger ces macaques-là. Donc pas les reloger ailleurs, hein, les garder aux terres de Nataï pour justement bah, expliquer toutes ces choses-là au niveau des laboratoires. Il prévoit une volière de plus de 500 mètres carrés. Donc elle sera sur plusieurs niveaux. Il devrait y avoir un bâtiment qui sera dédié juste à ces primates-là. Dans la volière, grosso modo, il y aura un bassin, une zone arborée. Voilà, elle sera peut-être en plusieurs parties pour pouvoir moduler les groupes, parce que il risquerait d'y avoir d'autres primates. Normalement, je crois qu'il y en a une dizaine qui devraient arriver au total. Tous des mâles de laboratoire. Et pour ça, les terres de Nataï et l'association Le Graal, ils ont ouvert une cagnotte en ligne. La cagnotte, elle a déjà récolté quelques dizaines de milliers d'euros. Elle se termine pas tout de suite, donc vous avez le temps pour ceux qui s'intéressent de donner. Et vous aurez d'ailleurs plus de détails dessus donnés par le parc et par l'association Le Graal. Alors du coup, pour terminer, on va dire un petit peu quelques mots sur cette association. Donc le Graal, ça signifie groupement de réflexion et d'action pour l'animal. Donc en fait, c'est une association qui a été fondée en 1997 par un groupe de militants de la cause animale. Et c'est en 2005 en fait que ce concept, si on peut dire, de retraite pour les animaux de laboratoire en France a été créé. Parce qu'on sait bah, qu'aujourd'hui, souvent la principale issue qui attend ces animaux de laboratoire, c'est l'euthanasie, malheureusement. Ouais. Ce qui est vraiment. Puis ça concerne pas que des singes en plus, hein. Ça concerne toutes sortes d'animaux, que ce soit Ouais. sauvages, domestiques. Voilà. Et d'ailleurs, depuis que le concept a été lancé, plus de 6000 animaux ont pu être sauvés de l'euthanasie. Donc vraiment des animaux en tout genre. Ça va des chiens aux poissons, en passant par les oiseaux, les primates, les chevaux, les animaux de ferme, etc. Donc c'est. Voilà, donc tous ces animaux peuvent avoir aujourd'hui une retraite paisible. Et donc en général, ils sont placés soit dans des parcs zoologiques, mais ils peuvent être aussi placés dans des refuges, des muséums, n'importe quel établissement qui accueille des animaux. Ouais. Ils ont Voilà. d'ailleurs, je suis en train de voir qu'ils ont accueilli, enfin recueilli, de laboratoire des Ouistiti, il y a quelques jours. Ils sont partis dans un parc en Belgique, du coup. Et en fait, l'association Le Graal, elle est en partenariat avec beaucoup de structures déjà. Donc les terres de Nataï, c'est récent parce que le parc est récent. Mais sinon, ils travaillent déjà avec
avec la tanière, notamment. Avec le refuge de l'arche aussi, je Aussi, pense. ouais, certainement. Donc c'est amené à se développer encore en plus parce que on cherche beaucoup de place. Et donc, j'ai envie de dire un petit mot avant de terminer sur cette Ouais. actualité. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait penser aussi, pour ceux qui connaissent peut-être le parc animalier de la Barben dans les Bouches-du-Rhône, Ouais. le zoo avait accueilli aussi, alors j'ai plus l'année exacte en tête, mais ça doit dater d'il y a 4 ou 5 ans, ils avaient aussi recueilli un groupe de macaques crabiers Oui, c'est issus de vrai. laboratoires. Et ils les ont placés dans l'ancien enclos des tigres. Donc pour ceux qui connaissent bien le parc, c'est situé entre la volière des vautours et l'ancien enclos des ours. Et donc l'enclos est plutôt pas mal, hein. Il y a de la verdure, il y a des rochers, enfin plein d'enrochements, des cascades, il y a un bassin. Donc ils ont de quoi vraiment s'épanouir. Voilà. Moi ça m'a fait Et penser puis à ça aussi. ouais, puis globalement, le macaque crabier en France, je crois qu'ils sont tous issus de. Bah c'est un des primates Oh, si c'est que. pas de laboratoire, c'est de saisie, ouais. Ouais, c'est un des primates qui est les plus utilisés aussi dans l'expérimentation animale. Ouais, malheureusement, ouais. Eh bien, on va parler d'une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle, hein, les macaques, mais voilà, le sujet est un peu différent. Et on va prendre la direction, bah justement, du parc Voilà. animalier de la Barben. Pour le coup, c'est pas fait exprès. Où il y a quelques mois, alors ça a été annoncé qu'en décembre, pour une raison qu'on va expliquer, il y a quelques mois, en fin août, il y a un petit rhinocéros blanc qui a vu le jour au parc animalier de la Barben. Alors, le rhinocéros blanc à la Barben, c'est une espèce emblématique et une naissance. Chez les rhinocéros blancs, c'est la première fois que ça arrive pour le parc. C'est un petit mâle. Il est issu du. C'est pas un couple, mais comme c'est un groupe, il y a un mâle et deux femelles. Donc son père, c'est l'écourou, si je prononce bien. Et sa mère, c'est Bella. Alors l'écourou, il est arrivé il y a quelques années. Ils avaient fait un échange de mâles avec un autre parc parce que la reproduction se lançait pas. Et donc là, bah, ça a marché. Après 16 mois de gestation, Bella elle a donné naissance à un petit mâle le 30 août 2022. Il a été nommé Jaeli par ses soigneurs. Alors, je crois que c'est un article de France Télé, France 3, je sais plus, qui explique que, en fait, Jaeli, c'est les premières lettres des prénoms des soigneurs. D'accord. Comme ça qu'ils ont donné le nom au petit mâle. C'est original et en Ouais, plus, c'est bah, ça donne original. un prénom assez sympathique. Ouais, il est plutôt sympa. Ouais. À la naissance, il faisait déjà 58 kilos. Mais alors, pourquoi ça n'a pas été annoncé tout de suite? Bah, déjà, pour beaucoup de zoos, c'est comme ça. Hein, on ne sait jamais. Hein, la mortalité chez les jeunes, elle reste quand même à prendre en compte. Ouais, les premières semaines sont assez critiques souvent. Ouais, les petits sont fragiles. Et mais là, pour le coup, le petit a été rejeté par sa mère. Donc, il a été pris en charge par les équipes du parc. Elles se sont reliées pendant plusieurs semaines pour lui fournir ses biberons. Alors, je crois que c'est toutes les 2 ou 3 heures. En tout cas, il lui fallait 20 litres de Et lait quotidiennement. voilà, donc C'est conséquent. c'est très conséquent. Ça prend du temps. Donc, oui, je pense qu'ils ont bien fait de lui donner ce nom-là avec les prénoms des soigneurs. Et mais maintenant, Jaili, il a 4 mois. Donc, il grandit bien. Il a pu rencontrer sa mère et. L'autre femelle, Wanza, il a pas encore vu, il a pas encore vu son père. Hein. Ça risque de prendre encore quelques mois. Il fait déjà 200 kilos. Ouais, il a bien grandi depuis. Ouais, il a bien grandi, il a bien mangé, a priori. Et du coup, la Barben, ouais, maintenant, ça fait 4 rhinocéros, hein, avec C'est ça. un mâle, deux femelles et le dernier né. Les rhinocéros, alors, je pense que tu connais mieux que moi, mais ils vivent dans une grande plaine avec les gnous et les oryx. C'est ça, ouais. Et voilà, il est resté plusieurs semaines à l'abri, hein, parce que bah il fallait s'occuper de lui quotidiennement. Mais là, ça y est, bah, depuis l'annonce, juste avant l'annonce du parc, il a pu sortir sur la grande plaine avec les deux femelles. Et il est visible. Alors bon, bah, c'est l'hiver, hein. Il est visible au moment les plus chauds des journées, donc c'est souvent entre 10 h et midi et demi. Ça dépend des conditions météo, mais normalement, pour ceux qui ont la possibilité d'aller à la Barben,
Vous devriez voir le petit. Alors du coup, cette naissance, forcément, c'est une très bonne nouvelle pour la conservation de l'espèce. Alors même si les naissances de rhinocéros blancs sont plus fréquentes en général que chez les rhinocéros noirs, par exemple. Enfin, il me semble que l'année dernière, du coup, en Ouais. 2022, il y a eu 5 naissances de rhinocéros blancs en France au total, donc la Barben, 2 Amnéville et une au Cerza, contre une naissance seulement de rhinocéros noirs, donc à Douai. Ouais. Mais bon, ça reste quand même une très très bonne nouvelle. Alors le rhinocéros blanc, il n'est pas encore vraiment considéré comme menacé, il est classé quasi menacé par l'UICN, mais il pourrait devenir menacé, il pourrait entrer dans la catégorie vulnérable. Assez rapidement si les choses n'évoluent pas positivement. Ouais. Et bon, on sait tous très bien pourquoi les rhinocéros sont menacés, c'est le braconnage. Donc ils sont tués pour leurs cornes qui sont convoitées par les braconniers. Alors, ces cornes, pourquoi elles sont convoitées? Bah, parce qu'il y aurait soi-disant des vertus médicinales, aphrodisiaques qui leur seraient attribuées. Puis des Mais bon, trucs vraiment farfelus en plus, hein. voilà, mais il faut savoir que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Enfin, il n'y a aucune preuve scientifique qui admet ça, quoi. Que les cornes. Enfin, la corne de rhinocéros, c'est de la kératine, comme les ongles et les cheveux. Ouais. Donc, bon, je pense qu'on saurait depuis un moment si les ongles et les cheveux pourraient se soigner. Enfin, voilà, quoi. C'est complètement farfelu, comme tu l'as dit. Faut savoir que. Il me semble que 1 kg de poudre de corne de rhinocéros, ça peut se revendre 50 000 à 60 000 euros Ouais, le kilo. c'est affolant. Il me paraît que c'est, enfin, il me semble que c'est même supérieur au prix de l'or. Donc À un certain moment, ouais. c'est complètement fou. Ouais, c'est délirant. Voilà. Et du coup, au niveau européen, le rhinocéros blanc, il fait partie d'un EEP, donc auquel la Barben participe du coup. Et le parc soutient aussi depuis plus de 10 ans l'association Save the Rhino. Donc, qui œuvre en Afrique et en Asie pour la protection des rhinocéros dans leur milieu naturel. Tout à fait. Et qui est soutenu par De parc, ouais. bon Ouais. nombre de parcs en France et en Europe, et c'est tant mieux. On va encore changer d'atmosphère. On part du sud pour aller dans l'est maintenant. On va à Sainte-Croix, au parc animalier de Sainte-Croix. Oui, donc à Sainte-Croix, il y a eu pas mal de mouvements chez les loups. Donc à commencer par. Alors, le parc de Sainte-Croix, il possédait 2 meutes de loups du Canada. Et donc il y en a une des deux qui est partie, dont les individus sont partis dans différents parcs européens. Alors cette décision, elle a été prise suite au décès de la femelle dominante de la meute, donc Minnie, pour les habitués, ceux qui connaissent bien le parc. Ouais. Parce qu'on rappelle comment fonctionnent les loups, hein, les loups ça vit en meute et la meute va être dirigée par un couple dominant. La hiérarchie est très stricte au sein de la meute, donc quand un des deux dominants meurt, Ça remet tout en question. ça remet en cause complètement le fonctionnement de la meute. Donc c'est pour ça que les équipes animalières ont pris cette option-là de faire partir les individus restants de la meute. Donc du coup le mâle alpha et un de ses petits sont partis vers le zoo du Bois d'Attilly, donc en région parisienne, donc dans un territoire qui leur a été spécialement aménagé, et ils devraient normalement être rejoints par 2 femelles pour former une nouvelle meute. Ouais. Et la dernière louve de la meute de Sainte-Croix, donc Swally, elle a rejoint un parc spécialisé dans l'élevage et la reproduction des loups, donc situé dans le sud de l'Espagne, donc c'est le Lobo Park. Donc pareil, c'est dans le but d'y fonder aussi sa propre meute. Alors, si cette meute est partie, l'autre est toujours présente au parc. Donc l'autre meute est composée de 7 frères. Donc elle est bel et bien encore présente à Toujours Sainte-Croix. là, ouais. Voilà. Et donc du coup, le départ de la meute de loups du Canada a laissé l'enclos vide, forcément. Et donc ça a permis d'accueillir des nouveaux pensionnaires. Alors des loups toujours, mais d'une autre sous-espèce. Donc c'est des loups gris européens. Donc c'est la sous-espèce qu'on peut voir à l'état naturel en France. Ouais. Donc il s'agit d'une jeune femelle d'un peu plus d'1 an et de 2 mâles d'à peu près 2 ans. Ouais. Donc voilà, donc ça va permettre de former une nouvelle meute. Ouais, du coup, normalement, la femelle, elle va probablement choisir Un un mâle. des deux frères Voilà. pour devenir le couple
le couple alpha. Et c'est pas tout du côté des loups, parce que il y a eu beaucoup de choses hein, ces dernières semaines à Sainte-Croix au niveau des loups. C'est du côté des loups arctiques. En fait, le 14 décembre, le parc a accueilli une nouvelle meute. Alors, il y a 8 loups arctiques, donc les loups arctiques qu'on peut rencontrer dans le nord de, bon, en Amérique du Nord, enfin, sur tout le cercle polaire arctique. À Sainte-Croix, ils ont accueilli une nouvelle meute. Alors, elle est composée de mâles, que de mâles, qui ont, bon, ils ont entre moins d'un an et 2 ans à peu près. Ils sont nés entre 2020 et 2022. Ils arrivent du domaine des grottes de Han, en Belgique. Je crois qu'on dit Han. Je sais pas, Je sais pas. personnellement. Niveau de la prononciation, il y a encore des trucs à voir. Hein. Et du coup, cette meute de 8 loups, pardon, elle a pris la place de l'autre meute. Alors, on va être clair. Il y avait déjà une meute de loups arctiques à Sainte-Croix qui était composée de 4 mâles et 3 femelles. Cette meute-là n'est pas partie, elle a juste été déplacée dans un autre enclos qui devrait voir arriver des lodges nature comme le parc a l'habitude de faire depuis quelques années, à partir de 2023. Donc du coup, cette meute mixte est partie dans un autre enclos, et l'enclos qui accueillait déjà des loups arctiques a accueilli les 8 mâles qui viennent d'arriver. Mais avant ça, les équipes du parc, elles ont entrepris des travaux là, dans cette partie-là. C'est un territoire, il faut savoir, qui fait 8000 mètres carrés. Quand même correct pour une meute de loup. Il a été complètement réaménagé. Donc déjà pour permettre un peu plus de diversité aux loups, de texture de sol et compagnie, et d'enrichissement. Donc au niveau des nouveaux aménagements, il y a eu la création d'une rivière. Alors le parc dit qu'elle fait 25 mètres de long. Les loups, ils pourront s'abreuver dedans. Pour faire cette rivière, il a fallu 500 tonnes de roches. C'est considérable. Et au bout de la rivière, il y a un petit bassin où bah, les loups, ils seront proches normalement des vitres pour les visiteurs. Ce sera plus pratique. Au cœur du territoire, il y a une butte qui a été construite. Alors, elle sert à la fois de point d'observation pour les loups, mais aussi de tanière. Donc, comme ça, les loups, ils auront tout le loisir de se cacher ou non des visiteurs. Et du coup, l'ensemble de la zone des loups arctiques, elle a bénéficié aussi d'un plan de renaturation. Donc, le parc a planté plusieurs nouvelles essences d'arbres et a mis en place des troncs d'arbres, des roches dans le parc et à l'extérieur. Et comme ça permettra de. À la biodiversité locale de s'installer. Et au niveau des visiteurs, du coup, il est prévu aussi une nouvelle plateforme d'observation. Pour quand, je ne sais pas. Sûr que c'est en 2023. Mais toujours est-il que Sainte-Croix a placé l'année 2023 sous le signe du loup. Ça, c'est clair et net. Donc, déjà, avec l'accueil de la nouvelle meute de loups gris. L'accueil de la nouvelle meute de loups arctiques. Et le parc a dévoilé aussi quelques-unes de ses nouveautés. Je pense que tout n'est pas là. Mais on sait que on aura, au cours de l'hiver, avant le mois d'avril, on va dire, on aura 3 nouveaux lodges nature qui seront inspirés de l'univers de Jack London. Personnellement, je ne connais pas. Moi non plus. Peut-être qu'il y a des Un de spécialistes nom, qui nous écouteront. Ces 3 nouveaux lodges nature, ils ouvriront face au territoire des loups du Canada. Donc l'autre meute de loups noirs, qui a les 7 frères dont on parlait au début de l'article. Et il y aura également un nouveau hameau. Alors les hameaux, je crois que c'est ce qu'ils appellent les hameaux, c'est là où il y a des lodges du coup. Le nouveau hameau, il sera constitué de 4 nouveaux lodges aussi. Et donc, ces 4 nouveaux lodges, ils seront prévus pour l'autre meute de l'Arctique, la première, la meute mixte. Et ça, c'est prévu pour le courant de la saison 2023. Donc, il n'y a pas de date précise, mais on imagine au milieu de l'année à peu près. Et il y aura également une nouvelle boutique qui ouvrira au printemps prochain. Donc, ça fait pas mal de choses à Sainte-Croix pour les loups. Ouais, il y a eu du mouvement. Ouais.
Et du coup, et on a fini ce petit tour d'horizon des actualités du mois de décembre en France. Donc, ce qu'on vous propose et ce qu'on vous proposera normalement dans tous nos épisodes, hein, en fonction des actualités qu'on pourra développer, on va partir voir ce qui se passe ailleurs, chez nos voisins européens. Et pour le coup, il y a eu pas mal de choses. Et puis on va commencer par les naissances. Voilà, donc on va un petit peu vous parler des principales naissances qui ont eu lieu en Europe en décembre, ou du moins forcément avant, vu que c'est annoncé plus tard. Donc on va commencer chez les tapirs mâlés. Donc on a eu la naissance d'une petite femelle au zoo de Chester en Angleterre. Donc cette petite femelle, elle s'appelle Nessa. Elle est née le 30 novembre dans la matinée. Donc elle est née de deux parents âgés d'une dizaine d'années. Et on a un autre petit tapir mâlé qui, lui, est né au zoo de Zlín en République tchèque. Et donc c'est le quatrième petit pour la femelle qui a donné naissance à ce bébé. Ouais. Et alors une naissance de femelle chez les tapirs mâlés, je crois que c'est une bonne nouvelle, hein, parce que y a un déficit mâle-femelle. Je crois qu'il y a plus de mâles qui voient le jour que de femelles, donc forcément. Ça, malheureusement, on peut pas le contrôler. Et non, du tout. Et je crois que oui, une femelle, c'est une bonne nouvelle, Ouais, non les seulement pour femelles. l'espèce, mais aussi pour le programme qui va pouvoir continuer de fonctionner correctement. On va aller au Royaume-Uni et en République tchèque encore. Et là, on va parler de rhinocéros parce que, alors on parlait du parc animalier de la Barben tout à l'heure. Il y a eu une autre naissance plus récente, pour le coup, chez les rhinocéros blancs du Safari Zoo au Royaume-Uni. Où en décembre dernier, il y a un petit mâle qui a vu le jour. C'est un parc qui est réputé, hein, quand même, dans la reproduction des rhinocéros blancs, donc c'est pas la première fois qu'il y en a eu. Il y a eu des naissances en 2020 et en 2021. Et donc là, le 15 décembre, un nouveau petit. Et en République tchèque, on va au Safari Park de Dvůr Králové, où on a eu aussi une naissance, mais cette fois de rhinocéros noirs. Donc là, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un petit peu plus rare. L'espèce, elle est classée en danger critique d'extinction, on le rappelle, hein. C'est le 48e petit rhinocéros noir qui voit le jour à Dvůr Králové. Ah oui, d'accord. Ouais, 48, ouais. Mais ça, c'est un parc qui est quand même spécialisé là-dedans. Je crois qu'ils ont aussi des rhinocéros blancs. Et ça marche bien. En tout cas, pour cette femelle-là, c'est son premier petit apparent. Ouais, et c'est une Femelle, oui. femelle qui est née. C'est ça, ouais. Voilà, je crois. Oui, il me semble. Ouais, Alors maintenant, bref, direct. voilà. Pardon. C'est moi qui t'ai coupé. Donc direction l'Allemagne maintenant, donc au zoo de Leipzig, qui a vu naître une petite femelle éléphant d'Asie dans le courant. Alors j'ai plus la date. Je sais pas si tu l'as, toi. Non, et non du tout. Non. Bon, c'est récent, hein. Ouais, c'est récent. Donc c'est le premier bébé pour la femelle qui a mis bas. Donc la naissance s'est déroulée apparemment sans complications. Le petit se porte très bien, la mère se porte très bien aussi. Et elle a l'air de plutôt bien s'en occuper. Donc on lui souhaite une belle vie à cette petite femelle éléphant. Ouais. Au zoo de Bâle maintenant, et où il y a eu trois manchots royaux qui ont vu le jour. Alors, ils sont pas tous nés en même temps, hein. Il y en a deux qui sont nés à quelques jours d'intervalle en septembre, et le troisième qui a suivi quelques semaines plus tard, fin octobre. Et les visiteurs, ils peuvent déjà les voir au zoo de Bâle en Suisse. Il y a 20 manchots royaux maintenant qui se partagent l'installation avec 8 manchots papous. Alors maintenant, on va passer aux transferts, donc aux principaux transferts qui ont eu lieu à travers les zoos d'Europe. Donc on va commencer par le transfert d'une femelle koala entre deux zoos allemands. Donc elle a été transférée du zoo de Duisburg vers le zoo de Dresden. Et donc là-bas, elle y a rejoint un mâle, donc un mâle avec qui elle serait génétiquement compatible. Donc bien évidemment, c'est dans le but de former un couple et d'avoir des petits. Ouais. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Ensuite, on va au zoo d'Aalborg. Donc le zoo d'Aalborg, c'est au Danemark, qui vient de se séparer de ses deux derniers chimpanzés. Alors il y en a un qui est parti au zoo d'Ostrava en République tchèque et l'autre au Burger Zoo aux Pays-Bas. Et le parc, c'est prévu depuis quelque temps, mais
C'est la fin des chimpanzés pour le zoo d'Aalborg. Il prévoit peut-être d'en réceptionner d'autres, enfin d'en accueillir d'autres dans les prochaines années, mais dans une installation qui sera plus grande et mieux adaptée à l'espèce. Mais l'objectif de faire partir les chimpanzés pour cette année, c'est de rénover complètement l'installation et d'en faire quelque chose d'un environnement immersif pour les visiteurs avec des lémuriens. Donc on n'a pas beaucoup plus de précision pour l'instant. Mais on suivra ça de près parce que c'est intéressant. Alors ensuite, pour continuer, on a Tahiri. Donc Tahiri, c'est une femelle propithèque couronnée, donc qui est née en 2019 à la citadelle de Besançon. Dans le propithèque couronné, qui est une espèce de lémurien, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc elle est partie vers le zoo d'Apenheul aux Pays-Bas, donc le 3 décembre, pour former un couple. Et donc bien évidemment, avoir des petits par la suite. Et la citadelle actuellement, avec Mulhouse. Donc en France, on n'a que trois parcs, hein, La qui Citadelle, présentent. Mulhouse et Paris. Ouais. Et la citadelle et Mulhouse font partie des seuls en Europe à réussir la reproduction du propithèque couronné. Malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement en même temps. Oui. À Péridaïsa maintenant. Péridaïsa qui a accueilli 11 manchots papous. Alors l'espèce, je crois qu'elle est présente depuis l'année dernière, ou il y a moins de 2 ans en tout cas, fait partie des dernières installations du parc consacrées aux animaux du froid, avec les ours polaires, les otaries, tout ça. Donc le bâtiment qui accueille les manchots, il y a trois espèces de manchots dans la grotte des manchots, ils appellent ça à Péridaïsa. Il y a les manchots papous, donc là, 11 nouveaux individus, il y en avait déjà quelques-uns. Ils vont avoir un beau petit groupe de manchots papous. Il y a aussi des gorfous sauteurs et, bah, comme au zoo de Bâle, des manchots royaux. C'est un bâtiment qui est complètement réfrigéré pour les besoins de l'espèce, des espèces. Et il fait 850 mètres carrés. Donc voilà, 11 nouveaux petits manchots papous à Péridaïsa. Et ils arrivent du Sea Life Billund au Danemark. C'est ça. Voilà. Alors ensuite, pour terminer avec les transferts, donc on va parler un petit peu de transfert de félins en France. Alors, si vous vous rappelez, au bioparc de Douai-la-Fontaine, deux bébés panthères des neiges sont nés en 2021. Donc depuis, ils ont bien grandi et aujourd'hui, la femelle est partie du bioparc vers l'Estonie, donc au zoo de Tallinn. Et son frère devrait normalement rejoindre dans le courant de l'hiver un zoo en Italie. Donc bien sûr, ce transfert s'inscrit dans le cadre de l'EEP, qui est dédié à la Panthère des Neiges. Et bien évidemment, les parents restent au bioparc, ils ne partent pas. Oui, et pourront peut-être de nouveau se reproduire, on sait pas. On l'espère. Ouais. Et ensuite, on a la femelle tigre de Sumatra du zoo de Champrépu, qui est partie en République tchèque. Alors je ne sais pas si tu as plus d'infos sur ce transfert. Parce que elle a 2 ans, elle est née en 2020, fin D'accord. 2020, je crois. Donc du coup, bah, elle est arrivée en âge de quitter le parc et d'aller D'accord. voir peut-être pour se reproduire ailleurs, hein. On va terminer avec une autre actualité. Donc, on a fait les transferts, on a fait les naissances, mais là, eh ben, c'est le décès d'un animal. Donc, pour les passionnés de parcs zoologiques, c'est un animal qui est plutôt connu. C'est la dernière antilope oréotrague des parcs zoologiques européens. Elle habitait au Bioparc Valencia et elle avait 26 ans. Le Bioparc Valencia, je précise quand même, c'est en Espagne. Donc elle a presque doublé l'espérance de vie de l'espèce, qui est approximativement d'entre 12 et 15 ans normalement. L'espèce, elle est un petit peu plus présente en Amérique du Nord, mais du coup c'est terminé en Europe, c'était la dernière. Elle est quand même connue des passionnés de parcs, et peut-être qu'avec la densité de population d'oréotrague en Amérique du Nord, on arrivera peut-être à en voir arriver. Dans les prochaines années en France, on ne sait pas. On On verra bien. espère. Voilà. On avait envie de vous donner cette petite info. Voilà, Eh donc bien, ouais, je crois qu'on a terminé. je crois aussi qu'on a terminé. Donc ça y est, ce premier épisode de Naturezo, le podcast, touche à sa fin. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et de l'avoir suivi.
N'hésitez pas surtout à aller nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, et aussi à consulter notre site internet www.naturezoo.fr, et aussi à rejoindre nos deux groupes Facebook. Donc on a un groupe qui est dédié à l'actualité des zoos en France, et un groupe qui est dédié au partage de photos d'espèces rares que l'on peut observer dans nos parcs zoologiques en France. Et on en découvre tous les jours en plus. Ouais. Bien, les podcasts. Bon, alors c'était le premier, hein. On va quand même faire un petit bilan rapidement. C'était le premier. On n'a pas été toujours très à l'aise, mais je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure des enregistrements. Les podcasts, ben, vous pouvez les retrouver, chacun de nos épisodes, sur notre site internet. Donc, on a une page qui est complètement dédiée au podcast où vous pouvez tout retrouver, tout sortira dessus. Vous pouvez aussi les retrouver sur les plateformes d'écoute, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Amazon Music. On s'est arrangé aussi pour pouvoir le mettre sur YouTube, donc pour ceux qui ont envie, qui n'ont pas accès à toutes ces plateformes, c'est possible aussi de l'écouter sur YouTube. Et bah, de notre côté, on espère que tout ça vous a plu. J'espère pour toi aussi, Florian, que ça t'a plu. Oui, moi j'ai bien aimé le faire, c'est sympa. Ouais, c'est très agréable. Donc, bah, on se retrouvera pour un autre épisode d'actualité d'ici un mois. On sortira à peu près... on s'est donné comme objectif de sortir la première semaine de chaque mois. Donc on ne donne pas de date précise, comme ça personne n'attend. Mais normalement, ce sera première semaine de chaque mois. Et entre-temps, on pourra vous sortir un épisode... un peu différent, donc ce sera pas toujours sur l'actualité, mais qui sera un petit peu plus poussé. Ça devrait arriver là, on va voir ça pour les prochaines semaines. Dans le courant du mois, il y aura un autre podcast. Sinon, pour les actualités, bah, ce sera première semaine du mois de février. Et bien voilà, c'est terminé. Florian, je te dis à la prochaine. À la prochaine, ouais. Et puis bah, à bientôt.